s'appelle président. Il tient les rênes du pays depuis 10 à 40 ans. Il est élu à 99%. L'ethnie dont il est issu est qualifiée de pur sang. Son pays est soi-disant démocratique. Les opposants, les critiques, c'est soit la mort, soit l'exil politique. Il est en place depuis son coup d'état. Lui s'est enrichi, mais son pays s'est endetté. Embêtés sont les puissances occidentales, sponsorisées par sa rente d'hydrocarbures et de métal. Les connivences mafieuses, militaro-financières, le népotisme, les barbouzes et les mercenaires. Président à vie et son mandat, il quitte le pouvoir par mort naturelle ou assassinat. Quand c'est la paix, les dirigeants dirigent. Quand c'est la guerre qui dirige. La peur, l'ennemi est là intérieur. Les rancœurs et la terreur viennent chasser la paix. Les barrages sont dressés, le voisin devient suspect. On décrète la ville morte et le couvre-feu. Les ambassades se remplissent et tous les blancs fuient. Il y a des rumeurs de pillages, des viols, des pénuries. Les gens ont peur, le peuple voit la paix mourir. Des jours de grève, des lynchages de plus en plus fréquents. La guerre civile est imminente, info mondiale sur les fréquences. L'ONU s'inquiète, engage des pourparlers. Faut-il agir, s'abstenir? Y a-t-il des intérêts? Cessez-le-feu est violé par les belligérants. Il n'y a plus de gérance dans le pays qui part en déshérence. La guerre est là, tout le monde la sent. Encore une fois, ce sera la mort des innocents.
Keïta. Mamani Keïta. Au Mali, au Burundi.